Yop les gens, c'est Pote de la France et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vais vous parler de différentes petites choses donc avec un fond de bulle du HC. Donc voilà, si vous aimez, dites-moi dans les commentaires et tout. Donc je compte vraiment à me remettre dans le bulle du HC, dans le bulle du HC pardon. J'ai repris le plaisir de jouer avec la canne à pêche, donc voilà, donc dites-moi si vous kifferez des Elo Series et tout. Ou même en no debuff, hein, je peux faire des Elo Series clairement. J'ai pris vraiment du plaisir à faire des 1v1 sur Badion et tout, donc voilà, je compte vraiment farmer ce serveur quoi. Donc voilà, donc je voulais vous parler tout d'abord les gars de mes deux graphistes, voilà, donc qui s'occupent principalement de mes miniatures de vidéos, et je vais vous montrer quelques exemples de miniatures, voilà, qui vont apparaître sur votre écran normalement maintenant, voilà. Donc ils ont passé beaucoup de temps à faire ces œuvres d'art, hein. Je pense qu'on peut appeler vraiment ça des œuvres d'art. Enfin, je pense que je suis le seul vraiment à kiffer ça, mais moi j'aime vraiment bien les choses comme ça, donc des miniatures, enfin les textes cinéma 4D et tout. Pour moi je trouve ça super, donc vraiment, allez voir leur chaîne dans la description les gars, de Eikos et de Crazy Ox, allez voir ça dans la description les gars, ça fera plaisir si vous, leur lâchez un petit s'abonner, voilà. À noter aussi les gars que beaucoup d'autres personnes m'ont fait des miniatures, et je les remercie d'ailleurs fortement pour ça, hein. Les miniatures, il y a des miniatures qui sont vraiment magnifiques, donc voilà, donc je les cite pas maintenant dans la vidéo, pourquoi? Eh bien parce que il y en a tout simplement trop, donc il y a quoi, il y a une quinzaine de personnes qui m'ont fait des miniatures, donc voilà, j'ai peur d'en oublier un, et clairement, si je l'oublie, il va commencer à se sentir vexé et tout, donc voilà, donc je le fais pas tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop et j'ai peur d'en oublier un, voilà. Désolé de m'avoir répété, mais c'est pour vraiment mettre ça au clair. Donc pour ceux qui vont me sortir dans les commentaires, oh tu travailles pas tes vidéos et tout, enfin voilà, c'est un peu normal, hein. C'est une vidéo information, donc je peux pas la travailler, voilà. Mais je voulais vraiment vous tenir au courant donc concernant la rentrée et l'avenir de ma chaîne. Donc voilà, les deux sont liés, la rentrée, l'avenir de la chaîne, etc. Enfin vous avez compris le délire. À noter les gars, donc même si beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai une page Facebook et un compte Twitter, donc tout sera aussi dans la description les gars. Suivez-moi surtout sur Twitter, hein. Twitter je poste beaucoup de choses, je poste aussi donc quand mes vidéos sont en ligne et quand je commence un live, etc. Donc voilà, suivez-moi sur ça les gars, ce sera dans la description. Et donc maintenant les gars, comment ça va se passer avec les lives? Eh bien tout simplement, les lives, j'essaierai d'en faire deux ou trois par semaine. Trois, ça va être chaud, mais je vais essayer quand même d'en faire deux. Donc, c'est-à-dire le mercredi après-midi et le vendredi soir, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, un troisième live, peut-être, qui sera là toutes les semaines. Ou, allez, une semaine sur trois ou sur deux. Enfin, je sais pas encore. Mais peut-être que je pourrai live aussi le samedi. Donc, voilà. De toute façon, quand je live, je le mets tout le temps sur Twitter. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit de m'aller me suivre là-dessus, voilà. Et donc maintenant les gars, comment ça va se passer pour les vidéos? Eh bien j'essayerai de travailler mes vidéos dans tous les creux que j'ai. Donc par exemple si j'ai fini mes devoirs à 21h, eh bien j'aurai un petit creux. Donc de 21h à 21h30, et je trouve ça vraiment inutile de commencer un live à cette heure-là, parce que si c'est pour finir le live dans une demi-heure après, bah j'ai tout simplement pas envie de live, parce que genre, y a des gens qui vont arriver une demi-heure après, et une demi-heure après, bah, le live sera déjà fini en fait. Donc j'utilise ce temps juste pour travailler mes vidéos, donc du coup voilà, j'essayerai vraiment d'upload tous les 3 jours une vidéo, je pense que c'est largement faisable. Après si c'est pas faisable, franchement, je vais pas me forcer, parce que genre si ça... Comment dire, si ça va influencer mes points, etc. C'est pas une bonne idée. Donc du coup, si je peux upload tous les 3 jours, eh bien, je vais clairement le faire. Mais si je peux pas, eh bien, je le ferai pas, tout simplement. Ah oui, les gars, j'avais aussi oublié donc de vous demander si vous aimez bien les vidéos sur Osu. Donc Osu, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu de rythme avec des mouvements de souris et tout que je kiffe vraiment grave et que j'ai déjà passé beaucoup de temps pendant les vacances à jouer sur ce jeu. Donc si vous aimez bien... D'ailleurs, j'ai déjà fait un live ouais, sur Osu, j'en ai déjà fait un, et vous avez kiffé, donc dites-moi si vous voulez aussi des vidéos sur Osu, mais vous inquiétez pas, hein, les gars, les vidéos Minecraft, de toute façon, ils continuent, mais genre, enfin, je sais pas, une vidéo Osu par mois, ou je sais pas, à l'arrache ou quoi, enfin, dites-moi si vous aimez bien ça, donc dites-moi ça dans les commentaires, hein, les gars, et puis voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, s'il y a encore des questions concernant mon rythme d'upload, ou le contenu de ma chaîne, ou je sais pas, enfin, posez ça aussi dans les commentaires, de toute façon, je répondrai à tous les commentaires, comme que je fais tout le temps d'ailleurs, je réponds tout le temps à mes commentaires, enfin j'essaye quand même, et ça marche pour l'instant.
Et puis si vous avez aimé la vidéo les gars, n'hésitez pas à lâcher un like, ça me fait super plaisir. Voilà, tchuss les mecs et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.